Alors, est-ce que c'est bon? On dirait que oui. Est-ce que tu m'as renommé le jeu correctement? On dirait que oui. Ok. Allez, hop. On va continuer un peu moins d'avoir à faire un petit peu. Mais on l'avait fait ça. Pourquoi ils le remettent? Ah, le point de contrôle, il devait être pas assez récent. Ça, je me dis aussi, enlevez les débris. Ça avançait pas, c'est bizarre. Apporte la scie, il y a quelqu'un ici. Couvrez vos yeux. Elle va bien. C'est une fille, une petite fille. C'est ma petite fille. Allez, on la sort de là. Tu crains plus rien, tu crains plus rien. Allez! Passe-la par ici! Pitié, je la tiens! Passez-la moi! Ma petite Farah! Je suis tellement heureux! Non! Non! Où est mon fils? Farah, où est Adir? On l'a laissé à la maison pour te faire! Elle est morte. Elle est morte. On va trouver Adir et on va partir. Walid, Walid, Shadi, il cherche des combattants de la résistance. On doit partir tout de suite. Je peux pas. Mon fils est à la maison. Je vais t'aider. Allez, viens, suis-moi. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur, chérie. Je reste avec toi. Il y a des enfants ici. Pitié, tirez pas! On n'est pas armés! Ma chérie, je vais aller m'assurer qu'on craint rien. Reste derrière moi. D'accord, papa. Fais ce que je te dis et tout se passera bien. Ah, je crois qu'on avait arrêté là. Ici. On y va, chérie. Suis-moi. Fais attention, faut pas que je te vois. Suis-moi, tu pourras changer tout ça. Couvre-toi la bouche, Farah. Ne respire pas, c'est du poison. Dépêche-toi, Farah, on est à la maison. C'est un peu trop élevé la sensibilité. On va mettre à 8. Adir! Ouais, là c'est mieux. Papa! T'as une bombe! J'ai fermé les fenêtres, comme t'avais dit. C'est bien, ça nous protégera un peu du gaz. Suivez-moi dans la cuisine, tous les deux. Où est maman? Maman ne viendra pas. Désolé, mon garçon. Pourquoi ils font ça, papa? Ils pensent qu'on aide les rebelles. Tiens. Prends le masque, d'accord? Farah, elles sont aussi? Tu gardes le tien. Je vais aider ta sœur. Viens. Les téléphones. Si jamais on est séparés. Ok. On va franchir le pont et se mettre à l'abri dans les montagnes. Venez. Et s'ils nous attrapent, papa? Ils vont vous emmener et vous enfermer. Je veux pas partir. Je sais. Je te le promets, on reviendra. Adir, faut que tu sois courageux pour ta petite sœur, d'accord? Pense à ta maman. Et surtout, sois futé. Voilà, c'est ça la survie. Tu m'as compris?
Oui, papa. Écoutez, quand on sera dehors, suivez-moi bien, ok? Non, papa! Adir, vite, derrière moi! Non. Il n'y a personne. C'est seulement mes enfants, pitié! On peut pas le tuer là? Ah. Ah, il faut se cacher, ok. Проверяю каждый дом. Ребенок здесь. Убить его? Никак нет. Тащи его к машинам. Подогнать машины? Нет? Нет. Зачем? Так приказ. Что, на руках не затащишь? Тогда я принесу только одного. Нет, но я буду искать. Будет живым щитом. Из-за снайперов? Слышали доклады. Где? Тащи то, что есть, и мочи остальных. Принято. Отбой. Засранец. Я тетя? Где в доме? Parlez-moi, je peux vous aider. Ouais, je suis sûr que tu vas nous aider avec ta calache. N'ayez pas peur. C'est l'armée russe, montrez-vous. Si vous êtes blessé, j'ai de quoi vous soigner. Montrez-vous, je tirerai pas. Allez, sortez de là. Merde. Attention. Qui d'autre est dans le coin? Ah d'accord. Il tire sur quoi ce con là? Tu peux pas t'échapper, tu. Sors de ta cachette. Viens avec moi. L'air est très pollué. J'ai quelque chose pour t'aider. Viens, je vais te le donner. Putain de chaleur. Tous les jours comme ça. Non, merci. J'arrive des. Putain de rats!
les petites mères. Viens au Kenichi ici, Suka. T'es foutu, ma petite. Je t'interdis de t'enfuir. Tu ferais mieux de te planquer, Suka. Y'a pas d'ici, sale gosse. Te voilà. Putain, c'est quand même. J'essaie de me tuer. Salope. Frappe-le, Sarah. Tue-le. Non. Tiens, Sarah. Encore, Sarah. Oui, ça marche. Eh ben putain, il encaisse le mec. Là t'es mort mon coco. N'aie pas peur, on est ensemble. Ok, on va voir s'il a quelque chose. Il est trop lourd. Voilà. Suis-moi. On va se cacher grâce au pavot. Allez, viens. Papa ? Chérie. Il faut que tu te relèves. Je dois. Ah, pour maintenir, faut pas appuyer, faut pas harceler. Ils ont rien fait. Ils tuent tout ce qu'ils voient. Attention, il y a des soldats. Reste bien près de moi, d'accord ? On va aller près de la voiture blanche de l'autre côté. Prépare-toi, ok ? Reste avec moi. Прочесать местность. Сопротивление. Ничего сложного. Женщины, дети, любую машину, полный комплект. Это все? Доложить обстановку. Putain, il y a tout le bétail qui y passe aussi, quoi. Même les chèvres.
Je vais en prendre pour vérifier que c'est sans danger. Est-ce que le gars s'est blessé? Il a respiré un peu, à peine quelques secondes, mais ouais, quand même, les poumons ils ont été touchés quand même. Il y a deux jours, nos hommes sont tombés dans une embuscade de terroristes. J'ai perdu de bons soldats. Viens par ici. On doit passer par la grange. Et pas mais il faut pas qu'il te voie, d'accord? Contre la grange. On n'a rien fait. On n'est pas des combattants. Tu es des... Non. Attendez. Journée. Les grillons, c'est la nuit. Peut-être qu'ils sont devenus cons à cause du gaz. Peut-être que c'est. Est-ce qu'il est chargé, mon flingue là? Je sais même pas s'il est chargé. Ça vient de là-bas. On y va. Oh putain! Il y a une fille! Hé! Hey voilà! André! Non! Hey, merde! J'en ai eu qu'un, mais bon. Eh, Crux, comment tu vas? Sois discrète. Compte sur moi. Non! Hé, hey, regarde ça! Attends, un revolver. Ouais, il a même pas cherché à l'utiliser. Regarde ce truc. C'est tout neuf. Ça va. Tranquille. Trop cool. Tu récupéreras ton trophée. T'as entendu? À voir. Tu crois que c'était quoi? Je sais pas. J'ai besoin de là. Ça faisait pas le bruit d'une bête. Ça pourrait être un crayon. On est en pleine journée. Je récupère le flingue. Crayon, c'est la nuit. Bon, il a l'air chargé. À cause du gaz. Peut-être que c'est toi qui es devenu con. Si t'imagines que c'est des crayons. Ok. Bon, stabiliser, c'est stabiliser entre guillemets. Voilà. Faut qu'on parte d'ici. Farah, je sais pas quel âge elle a, je dirais 7, 8 ans. Profession, tueuse à gage. Dans le camion, Farah. Mais attends, il y a peut-être des calaches à ramasser. Mais on avait pas le permis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse un camion? Nom de code XYZ.
Oui, il faut lui des gifs, ça va peut-être le tuer. Ça pleut. Ça sent le coup de crosse là. Ah, même pas. Alors c'est vous les deux diablotins qui tuent mes soldats. Parfait. Ouais. À même pas 10 ans, on bute des soldats d'élite. Il y a du potentiel. Ah oui, c'est vrai, la dernière fois, ouais. Bougez pas, je vais vous aider. Là, tu nous avais bombardé de gaz, le frère. Adir, Farah. Adir, stop. Adir, stop. Stop. Où est-ce que t'es parti? Elle a traité son frère terroriste. Ça, c'est pas bien. Il a volé le gaz. Désolé, capitaine, je savais pas. Tu n'as rien à te reprocher. T'en fais pas, Farah. On le retrouvera. On doit se tirer d'ici. Vite. Mon frère a toujours détesté suivre les règles. Maintenant, il n'en suit plus aucune. Adir est au nord. Il s'est fait prendre par des combattants d'Al-Qatala. Volontairement ou de force? On ne sait pas. Désolé, Farah. Votre frère est un terroriste. Est un agent américain qui est avec ou aux mains des terroristes. Adir n'a rien contre nous. Il aurait pu tuer tout le monde quand il a volé le gaz, mais il n'en a rien fait. Comment tu le sais? J'y étais, pour l'arrêter. Pourquoi tu m'as rien dit? On pensait que c'était Al-Qatala. On savait pas que c'était lui. Plus maintenant. On va le chercher ce soir. Je viens avec vous. Vous traqueriez votre propre frère? Il n'est plus mon frère. Plus maintenant. Barkov va mettre sa tête à prix. Faut qu'on l'attrape avant lui. Une seule complication, et c'est la guerre avec les Russes. Suffit de rien compliquer. C'est pas une bonne idée, Farah. On s'occupe des nôtres ici. En général, ça veut dire l'inverse. Pas ici. Je veux Farah avec moi. Pas de discussion. Soit. Vous êtes autorisé à tuer. Chacun de vous. Ok, je vous prie. Nos images confirment qu'Adir était en possession de ce qu'il restait du gaz volé quand il a pris contact avec l'agent le plus brutal d'Al-Qatala, le boucher. Nos éclaireurs ont suivi leur véhicule jusqu'à un complexe dans les monts Akrus, qui pourrait être la base du loup. Alex et Farah resteront dans les airs en surveillance. Et Bravo 6 mènera l'assaut pour localiser les agents chimiques, récupérer Adir et tuer le loup. On est dans la zone, Hector. On va choper ce connard. Leader à 3-1, survolez la zone et attendez les ordres. Bien sûr, leader. On attend. Ici Lifter 1, j'ai la cible en visuel. J'y serai dans 15 secondes. Bien reçu, Lifter 1. Passez en vision nocturne. C'est à nous de jouer. Sineur 1, passez en surveillance. Compris. Sineur en surveillance. Du mouvement. Là, c'est parti tout seul, là. Le coup qui part tout seul. Ah, merde. Faut pas que j'oublie que je suis un vétéran, là. Attends, il n'y a pas une touche pour changer de...
de type de tir. Si c'est coup par coup, rafale ou automatique. Merde, bon. Main en l'air, montrez-moi vos mains. Bon. Merde, j'aurais peut-être pas dû la tuer. 6 de 4 et de 6. On reste en position. Merde, j'aurais pu lui tirer dans la jambe. Quel con. Putain, bon gosse. On vous attend au portail. T'en fais mort. Dernier point de contrôle. Et merde, putain, mais laisse tomber là. Déjà, comment le mec il me voit déjà? Putain, mais en fait, les terroristes, c'est des êtres humains qui ont muté quoi. Ils ont des capacités à voir dans le noir. Il est mort ou pas? Oui, il est mort. Main en l'air, montrez-moi vos mains. C'est bon. Oh là, je vais tirer une balle dans la jambe là. On reste en position. Bon, ok, on est obligé de la tuer. Bon. C'était bien la peine. Elle me gêne là, madame. Ah, c'est pas celui-là? Ah oui, c'est celui-là. Charge en place. Ils me disent on vous attend. Et je m'approche et ils avaient foutu l'explosif quoi. Ils veulent me tuer en fait, c'est ça. Hein. On va entrer par la porte. Couche le chien. Personne non identifié. 3, bien reçu. Attends, c'est plus simple. Mur latéral voilà. Percé. On passe à l'arrière. Là, je crois que j'ai touché à l'épaule, donc là, c'est pareil, elle devrait même pas être morte. Bien reçu, je vous rejoins par l'autre côté. Sergent, on devrait couper le courant pour les aveugler. Pourquoi c'est pas encore le cas? Ah ouais, non, effectivement, ouais, là il y a de la lumière. Donc ouais, l'autre maison il devait y avoir de la lumière aussi donc. Je coupe le courant. Premier niveau, avec moi. Bah du coup je comprends pourquoi l'autre il m'a shooté finalement. S'il me voyait parfaitement. Restez ici. À vos ordres. Ça explique tout. Je monte au premier niveau. Du mouvement, la porte à gauche. Deux hommes à terre, je vais voir à gauche. Main en l'air, main en l'air! À toutes les unités, on a une femme non identifiée. Bien reçu, capitaine. Il reste de la maison du coup. T'es
toi, je t'ai latté les couilles, mon gars. C'est dégagé. Un mort, une personne non identifiée. Bien reçu. On arrive pour sécuriser. Ah, mais on est pas dans le noir là, d'accord. Putain, il a failli prendre une balle lui. Oui, pas c'est Price. C'est toujours là, Price. Ok. Il y a un autre étage. T'as là, si on vous attend aux escaliers, sergent. S'ils veulent me prendre de flanc. Ah, mais y a pas de. D'accord. Oui, ça c'est bon là. Attention à gauche. C'est bon, t'es pas en train d'ouvrir la porte, ok. Est-ce qu'il y a de la lumière là? Non, là on est dans le noir, donc là ils devraient pas me voir les mecs. Hein. Faites le tour, Kyle. Attendez, déjà je vérifie qu'il y a personne. RAS. Bon, on va passer par là alors. Là je suis sûr qu'il y en a qui m'attend derrière le mur là. Je t'ai tiré dessus avant, mais bon, c'est pas grave. Écoute. Ouais. Attention à gauche. C'est marrant, ça, c'est comme dans les jeux en ligne. Tu tires toujours en premier, mais c'est toi qui te fais descendre. Logique. Complètement logique. Faites le tour, Kyle. Attends, reste planqué. Le temps d'utiliser tes cellules de Namekien pour la régénération. Dans la pièce. Allez, je vous suis. Je t'ai tiré dessus, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Attends, le mec, je lui tire dessus, il meurt pas, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est ça. J'y crois. Dans la pièce. Le mec, il l'a un peu tué avant, quoi. Il a le temps de me toucher, quand même, cet enfoiré. Là. Il est pas là. Aucune trace de la cible VIP. Bien reçu, Kyle. Rallumez la lumière et inspectez des lieux. Réveil. À toute l'unité, bravo. Regroupez-vous au rez-de-chaussée. Leader à 3-1. Je vous écoute. Mettez-vous en place pour la récolte de données. Bien reçu. Vous pouvez sortir, madame, là? J'aimerais bien prendre une douche, là. Parce que là, j'ai vachement transpiré, là. Du coup, mes cheveux sont hyper gras, là. Carrick, on vous attend dans l'entrée. Puis, je cocotte un peu, là, donc... Non? Toi aussi, ça va, là? Hein? Tu veux mater? Hein? Petit cochon, là. Dans les cartons. J'en ai encore deux comme ça. Oh, la vieille tour, quoi. C'est quoi qu'il y a dessus, Windows 98? Non. Allez, oh, allez, si, ça, c'est 98, ça. Tout ce qui est média, c'est secondaire. Marquez-les et laissez-les de côté. Oh, même l'écran, quoi, c'est vintage, ça. Récupérez les téléphones en priorité. Éteignez-les et mettez-les dans les sacs. Compris. Putain, c'est ça qu'il me faudrait pour faire du streaming. Un truc comme ça. J'aurais même pas la place. J'aurais pas vous mettre le bordel. Mais oh putain, la vieille télé là. Et en plus, il fait lecteur VHS quoi. Wouah. Ça, tu te branches là. La Super Nintendo, la Mega Drive dessus là.
Vive la facture de courant. Ah, c'est clair que chez EDF, il doit être content, là. Puis là, t'as même pas besoin de chauffage électrique, là. T'as le cerveau. T'as tout le bordel à lui tout seul, il te chauffe toute la pièce, quoi. Ça doit bien chauffer, le machin, là. On va pas partir, quand même. Négatif. Ils veulent parler. Bah, les Price, tu viens, on va aller prendre une douche, là, parce qu'on a transpiré. Écoutons-les. Du calme. Hé, hey, relâchez-le. Rendez-moi mon fils. Merci. Ça va aller. Mes hommes vous protégeront. Où est le loup? Le salon de thé. Au sous-sol. Shukran, montez la garde. Au salon, allez. À toutes les unités, bravo, retourne au salon de thé pour une deuxième descente. Des tunnels. Ouvrez ça, Kyle. La trappe secrète. On dirait bien qu'on a une taupe. À toutes les unités, tunnel dans le bâtiment 2, on entre. Ok, on descend. Je passe devant. Bonne chasse. On sera juste derrière vous. Echo 3 1, bravo 06. Tunnel bouché, comment ça se passe? Plus de contact. On doit se débrouiller. Comme en bon vieux temps. Ouais, sauf qu'on n'est pas seul. On est dans l'antre du loup. Y'a des pièges. Baisse-toi. Putain, on y voit pas grand-chose. Hein. T'as pas les désarmer, les pièges? Ah, si. C'est désamorcé. Garde la grenade. Bah, un peu, ouais. Doucement. Il pourrait se cacher n'importe où. Des voix. C'était toi? Non. Oh. Ils savent qu'on est là. Tu peux le neutraliser. C'est bon. Ok. Encore un piège. Attention. Hein? Où ça? Vas-y, Alex. Ah, mais là-bas. Je suis sûr qu'il va essayer de me tirer dessus pendant que j'essaie de désamorcer. Oh, je t'ai tiré dans les couilles, mon gars. C'est plus que la tête. C'est plus mortel que la tête tirée dans les couilles. Vas-y, Alex, je te couvre. C'est du désarme, le bordel, là. Ennemi abattu. C'est bon. On avance. Attends, c'est que du désarme, ça. Ok. Piège désamorcé. Compris. C'était un sacré câble sous tension, ça. Déjà, on va se mettre là, déjà. J'en vois un. Alcôve de gauche. Oh, il y a du mouvement, là. Voir ce que j'ai en arme secondaire, le pistolet. Bon, on dirait qu'il n'y a rien à ramasser ici. Est-ce que je prends la calache? Je vais voir à gauche. Attention au toit. Aïe 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 aïe. On n'est pas si à l'abri que ça, quand même, même à couvert, hein, dans les coins. J'en vois un. Alcôve de gauche. Bon, il va être mieux que je garde plutôt le pistolet, parce que là, la calache... Attention au toit.
putain. Il y a un passage de côté. Oh. C'est dégagé sur la gauche. Bon, là, il y a rien. Ok. Il y a un mec qui a couru, là. Bon, on dirait qu'il y avait personne. Je passe à droite. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je cherche la sortie. C'est bon sur la droite. Enfin, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il y avait un mec. Imbécile ! Regardez où vous tirez ! Bah oui, enfin bon, justement, je fais attention où je tire. Elle va se calmer la madame là. Ça sent le combustible. Non mais oh. Ouh. Il y a des bidons là. Bordel. T'es blessé ? On doit trouver le moyen de passer. Je crois qu'on peut passer par ici en rampant. Passe sous les fils, je te couvre. Alex, pourquoi tu l'as amené ici ? Je suis venu de mon plein gré. Non, pas ! Je pourrais pas te protéger. Viens avec nous, Adir. Non, c'est trop tard maintenant. J'ai basculé au côté obscur. Entre toi et meurs. Les gens sont prêts à soutenir notre combat. T'es un menteur et un traître. C'est faux. Je te prouverai. Adir. Adir. Saruhon, yalla. Il y a plusieurs embranchements là. Je suis pas tranquille là. Ah mais c'est phare. Putain, n'y voit rien. Oh bordel. C'est bon, il n'y a pas d'autres volontaires là. Putain, mais il a faut combien de balles pour les tuer là. Putain, mais c'est quoi, c'est un airsoft que j'ai là ou quoi? Bon, on va changer d'arme parce qu'on n'a presque plus de balles. Prête. C'est qui sont les méchants? On y va. Oh, il y a des fils là. Ça a fait boum. Ça y est. Lui, je l'ai vu.
J'ai vu un truc bouger derrière la caisse. J'ai eu du bol. Oh, elle, au moins, je pourrais facilement la reconnaître avec son truc vert là qui pendouille derrière. Donc, silhouette avec bâtonnet vert fluo derrière, pas tiré. Ouais, ok. Oh, ok. Alors, chez eux, apparemment, ils ont la faculté de passer après. Je sais pas. Le mec, il a dû voir les trajectoires des balles et tout. Il a dû se la jouer ultra instinct. Du coup, il est passé à travers. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et là, t'es passé à travers, du coup. On peut pas l'attaquer. Tu peux faire le tour? C'est bon, c'est bon. Oh putain! Ah mais attends, je vais vérifier un truc là, parce que là il y a un truc là, je me demande si c'est pas activé là. Bah non, c'est complètement désactivé. Putain, mais pourquoi c'est ralenti alors sur l'ennemi, putain? Lance une grenade flash. C'est marrant ça, je lui lance une grenade flash dans la gueule, le mec il est même pas étourdi, rien du tout. Ou alors peut-être que ça a explosé derrière lui, et du coup bah, ça l'a pas aveuglé quoi. On va dire que c'est ça. Oh, putain, il a failli prendre une balle. Là. Voilà, c'est bien, il y a vraiment pas de... de renseignements à collecter, ça c'est impeccable ça. J'ai rien. Bouge pas, j'arrive. Pas de conneries de renseignements à choper. Je vais me débrouiller pour remonter. Fais attention à toi. Ça rappelle un peu. Pour ceux qui ont connu Black Ops 1. Quand je crois que c'est quand c'est au Vietnam, là, dans les tunnels, là. Dans les tranchées. 3-1-0-6, répondez. C'était génial ce moment-là. À toutes les unités, ici Echo 3-1, je transmets à l'aveugle. La cible est toujours dans les tunnels, je suis sur sa piste. Il y a la télé. Oh, trop bien, on va regarder la télé, tiens. Putain, ça a l'air trop bien. Là, il doit y avoir quelqu'un. Ouais, là, on n'est pas tout seul. هذا هو كل البنزين.
Nom de Dieu. Ah oui. Ils sont très joueurs ici, là. Le monde occidental. Et j'ai le nom. Pense pouvoir nous acheter. C'est faux. Bien évidemment. Cette super puissance. Putain. Nous sommes les acheteurs. Nous prenons leurs armes. Je peux pas rester ici. Oh putain, je l'ai pas vu venir lui. Je l'ai pas vu venir le coquin. Restez ici. Ok. Nous refusons le joug des puissances étrangères. Oui. Cette liberté. Ouais. Ah, il faut encore monter. Oh putain, d'accord, il faut encore monter. Ok. J'avais pas vu qu'il y avait une autre échelle encore. Il y avait des échelles partout en fait. Je peux pas rester ici. Ah. Alex, bon. Je te tiens. Merci, Farah. Par là. C'est ton œuvre. Vous avancez. Mais ce que vous cherchez a déjà disparu. C'est le loup. Juste en face. Passe devant. Elle me dit passe devant et celle qui passe devant quoi. Elle me double. Tranquille. Oula. Timer, il a une veste. Il n'y a pas d'issue. C'est la fin. Ton frère avait besoin d'aide. Le compte à rebours continue. Bah. On peut la désamorcer. Aide-moi. 20 secondes. Coupe les fils seulement à mon signal. Et surtout pas avant. Ok, prêt. Fil vert. Dans 3, 2, 1, coupe. Vert, ensuite. Jaune, dans 2, 1, vas-y. Jaune, c'est bon. Pour finir, rouge. Il y a deux rouges. Celui du haut, dans 2, 1, maintenant. Coupé. C'est fait. Bien joué. C'est grâce à toi. Bravo. Comment tu sais ça? Des années d'expérience. Trop d'années. À toutes les unités, ici Echo 3-1, à l'aveugle. C'est bon. Cible principale abattue. Alex ! Si c'était pas moi, alors autant que ce soit vous. Dommage qu'on puisse pas le tuer deux fois. Bonne chance. Enfin, techniquement, c'est pas moi qui l'ai tué.
Félicitations, c'est du beau boulot. Même si on est tous impatients de trinquer, j'ai bien peur que ce soit trop tôt. Adir et ses nouveaux amis s'activent. Ils sont où? Une chose à la fois. Qui a dit qu'ils étaient amis? Le général n'est pas de cet avis. Norris, je vous ai demandé de Hitler, vous... Hitler, Laswell, ou je le ferai. Le commandement a changé le statut des troupes de Pharah. Ça veut dire quoi? Je comprends rien. Vous pouvez traduire en français? C'est qu'ils sont sur la liste. Quelle liste? Organisation terroriste étrangère. Mes marines ont l'ordre de traiter l'armée de Pharah comme hostile. Quoi? Oh, putain. Ce sont nos alliés. Plus maintenant. Vous avez intérêt à tenir vos chiens en laisse, colonel. Ou quoi? Je vous assure que je vous étranglerai avec. Kate, ces gens ont besoin de notre aide. Nous ne pouvons rien faire de plus. Je refuse de croire ça. J'en ai marre qu'on choisisse mes amis pour moi. Alex, non. Je retourne en Newsixan. Je reste avec l'armée de Pharah. Ce que vous faites est illégal. Comme à peu près tout ce qu'on fait, de toute façon. Seulement quand ça compte. Vous avez des amis. Vous aussi. Merci. Pour tout ça. C'est pas encore terminé. Crois-moi. Je te crois. Ah, ça va sûrement parler de leur rencontre. Parce qu'on l'a pas encore vu, ça. Comment ils se sont rencontrés. Adir, c'est toi? Oui, laisse-moi te voir. Ah oui, ils sont restés drôlement longtemps en captivité. Eh ben. Laisse-moi te voir, Pharah. Ça fait combien de temps que t'es à l'isolement? 10 jours. T'es toute pâle. Sans boire ni manger. Pharah. C'est bon. Je peux gérer ça. Ne pas boire pendant 10 jours, c'est impossible. Tous les deux. Ils servent de toi. Pour que je craque. Faudra qu'ils me tuent pour ça. Non, Adir. Il faut que tu vives. Regarde. J'ai pris une clé. Pourquoi? On va trouver Pharah. Tiens, prends-la. Attrape. C'est bon. Bien. Cache-la. Le général Barkov arrive. Il est au courant pour les messages. Il sait que c'est toi, Karim. On verra. Tiens, une réunion de famille. Très touchant. Tu veux que tout s'arrête? Dis-moi la vérité. Emmenez-le à l'entrepôt. Faites-le parler. Celle-là, elle est pour moi. Vas-y, essaie de me passer, connard. Ah, merde. Ne la touche pas, espèce de sale chien. Vous tuerez. J'espère que t'as apprécié la petite visite de ton frère. C'était sans doute la dernière. Mon frère. Silence, va te mettre dans le coin. Ne me regarde pas, Pharah. Ne regarde pas sans ma permission. Tourne-toi, j'ai dit. T'emmerdes. Tous tes grands projets d'évasion, tu vas bientôt les oublier. Regarde-moi. Il fait une chaleur infernale dans ton toit. Tu dois mourir de soif. Quel salopard. J'espère qu'il crèvera lentement, lui. T'en veux? Y'en a plus. Bâtard. On va te trouver de l'eau. La porte!
Suis-moi. Entre. Assieds-toi, Farah. Oula. Tu ne peux pas t'échapper, Farah. Et personne ne viendra te sauver. C'est moi qui contrôle ta vie. Et je peux la rendre... Ça sent le coup de la torture avec la serviette mouillée. Bon. Qu'est-ce que tu sais sur ce que les entonnoirs, mais sur les messages interceptés. Réponds-moi. Karim est mort. Tu mens, arrête de le protéger. Et toi avec. J'ai été très patient. Maintenant, c'est fini. Reste consciente et tu pourras revoir ton frère une dernière fois. Tiens, tiens, il va tiens. Te donner à boire. Ouais, ouais. Essaie de respirer. Respire, Farah. Tu vas y arriver. Je croyais que tu voulais voir ton frère. Fais un effort. Encore. C'est ça. Je suis déçu, Farah. Je répète. Qui est Karim ? Ta mère. Va te faire foutre. Je t'ai dit de tenir ta langue. J'ai trouvé une de tes sœurs. J'ai pas parlé, Farah. N'en fais pas, Azabé. Silence. Sa vie dépend de toi, Farah. Reste consciente, elle vit, sinon elle meurt. T'as compris ? De toute façon, quoi qu'il arrive, elle crèvera, donc... Cette fois, je vais y aller plus fort. Va par là, Farah. De l'autre côté. Tu es doué, dis-moi. J'aimerais que les choses soient claires. C'est moi qui commande ici. Je t'ai laissé une chance de sauver une vie. Maintenant, je vais te montrer comment on la prend. Non, elle a rien fait. Non, pitié ! Non ! Nettoyez ça. Qu'est-ce que tu me fais faire ? Hein ? Oh, toi, tu vas souffrir longtemps, toi, quand je vais te choper. Ça, oui. Tu dois avoir faim, Farah. Hmm ? Mange. Après, on parle. Tu crois qu'on est amis ? Hein ? Tu crois que tu peux me battre ? Hein ? Fini de jouer ! Ton frère a volé une clé qui m'appartient. Elle est où ? Vous l'avez perdue ? Il en manque une, mais nous avons les autres. Elle ouvre quoi, cette clé ? Tu te crois maline, pas vrai ? Karim. Oui. Je sais. Je l'ai toujours su. Bon. Où se trouve la clé que ton frère Adir m'a volée ? Je t'écoute. Azadé l'avait. Tu mens, on l'a fouillé, une fouille totale. Ce pays est un vrai vivier de terroristes. Je suis là pour faire régner la loi et l'ordre sur ce pays. Ce n'est pas des terroristes qui m'en empêcheront. Je protégerai la Russie. Silence. Mais putain, c'est quoi ce bordel ? Tuez tous les prisonniers, enfermez-les dans l'entrepôt et mettez le feu. Tu complotes dans l'ombre. Tu te bats pour des miettes. Mais pourquoi tu t'appuies, espèce de sous-merde ? C'est
pas trop serré. Mec fait le malin, mais il fuit la première occasion. Là. Pauvre merde. Même pas foutu de finir le boulot lui-même, quoi. Ah, couillère. Ah, couillère. C'est bien, couillère. Ça va me servir. Ah, bon, c'est la jeu MacGyver. Ça y est. Ouais, elle peut même s'en servir pour planter dans le cou de quelqu'un avec ça. Elle t'arrache bien la carotide avec. Hein. Bien. Des pierres. Un tas de cailloux. Attendez, comment c'est pointu le bordel? En plus, ça s'est tordu, c'est un peu affûté là. J'aimerais pas prendre ça dans le cou. Hein. Il veut que je fasse quoi avec le caillou? Trouve une issue, Farah. Ici peut-être. Ah oui, d'accord. Ça a marché. Attends, on peut pas récupérer une autre pierre? Ah, dommage. Bon, ça pourrait servir. Hein. Pour attaquer à distance. C'est bien connu. Hein. Si le couteau est supérieur à une Kalachnikov, le caillou aussi. Hein. Ça rentre pas. Il faut que j'entre. À quoi va me servir la chaise là? Je peux me servir de cette chaise. Rien à ramasser là? Non. Maintenant j'ai un bout de cuillère, maintenant ça va chier. Oh, je lui ai curé l'oreille. Tiens. Encore là, c'est bon. C'est pas encore ça là. C'est bon, j'ai des balles quand même. Voilà. Et là, t'as toujours pas envie de me laisser passer là? Non, il y avait une arme là? Ouais, j'ai récupéré des balles. C'est marrant ça. Ah, évidemment, là, il n'y a rien. Et il y avait une calache, là, avec trois chargeurs. Et ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des emplacements pour des accessoires, genre des petites lunettes de visée? Je sais pas. J'arrive, mes sœurs. Farah!
ici. Mes sœurs. Tu t'es enfui. J'avais confiance. Les gardes sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Les forces de Barkov sont attaquées. On doit y aller. Ouvre la porte, ma sœur. Le bouton ouvre les cellules. Oui, oui, merci. Mais d'abord, je regarde s'il n'y a pas des flingues quand même. Attends. D'abord les flingues, après je vous libère. C'est plus important quand même. Merci, Adir. Ouh, c'est Noël. Oh, 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 c'est Noël. Maintenant, ça va chier. Ça va doublement chier, même. Tu la sors de cette clé, Karim. Adir l'a volée pour nous. Allez, on va les surprendre. Comment? Comme je vous l'ai dit, viser et tirer jusqu'à ce qu'il tombe. Le voilà! Mais bon. Bien joué, mes sœurs. Barkov a enfermé les autres dans l'entrepôt. Trouvons-les avant qu'ils tuent tout le monde. Attention, on y va. Je vois du mouvement. Oh, une petite lunette là, Rex. Voilà. Au sud, feu. Je les vois. Ennemi, derrière le bureau. Alerte, bougez. Couvrez-moi. Oh bordel. Monsieur, elle est tombée. D'accord. Bon travail. Vous êtes toutes très courageuses. On fait quatre mieux. Merci, Karim. Il se rapproche. Au sud-est, il y en a d'autres. Les voilà. Comme il est mort, lui. Oh, je sais pas si je suis mort. Oh, bah si, en fait. Oh putain, le one shot. Oh, direct. Merci, Karim. Le voilà. La vache. Ah, ils sont réactifs là, les mobs. Là. J'ai rien compris là. Comment je vais passer ça? Derrière le bureau. Oh, finalement la lunette, c'était pas une si bonne idée que ça. Parce que là du coup, c'est quoi comme bizarre ça? Ah, c'est pas mal ça. La cible se déplace. Couvrez-moi. Oh, oh d'accord, les mecs, je leur tire dessus, ils me tirent dessus en retour. Ok. Ok, ok. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Attends, mais il y en a pas d'autres là à finir. Ok, vérifier. Oh, viseur réflexe. Ouais, parfait. Là au moins je peux viser tranquillement à courte et moyenne portée. Et assez rapidement en plus, donc là c'est nickel. J'ai pas besoin de lunettes qui zoom à 3 km, ça sert à rien. Puis ça me fait perdre du temps. Un hélico ! C'est Barkov ! Ils sont fuis, Salas ! C'est qu'un chien sans honneur ! Dépêchons-nous de libérer les autres, ouais, avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est suivez-moi, bien, ouais, c'est mes chiens.
Voilà, je commence à me demander si j'aurais pas... Si j'aurais pas mieux fait de prendre juste ma lunette là. On y va, Sarah. Regardez, en haut de la tour. C'est là qu'ils détiennent les prisonniers. On y va. Allez. Moi, je pense qu'on peut pas l'avoir. L'entrepôt, en route. Avec le russe, tirez dessus. Ah. Des courtes rafales, pas besoin de tirer. Oh putain, c'était méchant là. Je sais pas ce que j'ai pris dans la tronche là, mais je sais pas si c'était le sniper ou un mec d'infanterie, j'en sais rien. Entrepôt en route, un véhicule russe, tirez dessus. Ouais, c'est quand même mieux la grenade. C'est quoi qui m'a tiré dessus là? Ouais, ok. Il y avait pas de sniper en face là. Je vois pas ce qui m'a tué. Je vois pas ce qui m'a tué là. Merde, elle est avec moi là. Elle est avec moi. C'est chaud quand même. Il y a vraiment personne ici. J'ai rien dit. Ils sont proches. Grenade. Voilà. Ça c'est fait. Des ennemis, ils sont proches. Je les vois. Bah, ce serait bien que vous bougiez un peu votre cul quand même, parce que je peux quand même pas tout faire tout seul non plus. Ah, je l'ai pas vu lui. Putain, mais c'est ça en fait, je suis vraiment tout quoi. Putain, c'est chiant là. Les autres, on te regarde faire, écoute. T'as l'air bien de t'en sortir. C'est bon. Attention, il a un lance-roquette. Merde. Merde. Je crois que c'est un ennemi. Moi je vois une Kalash, je cherche pas à comprendre. Hein. Kalash égale méchant. Oula. C'est qui va te tirer dessus? Je dois recharger. Merde. Ça va, on échappe au sniper. Pose en paix, ma sœur. Ouh, répétez. Putain, mais tu me gênes là. Faut que j'ouvre.
Bonjour. Merci pour ton aide. Bob qui sert strictement à rien. Qui se montre? Ennemi derrière la barrière. Attention, sniper. Ennemi dans l'escalier. Hein? Pas compris. Parle de qui là? Près de ce bâtiment. Les soldats. Ennemi derrière la barrière, au sud. Attendez qu'il sort. Oh putain! Attends, je me rends compte que c'est un ennemi. C'est même pas la peine. Attention, sniper! Ennemi derrière la barrière! Je vois! On va essayer là. Ouais, trop tard, putain, trop tard. Oh là là, putain. On fait de la merde, on fait de la merde. Attention, sniper, là, près de la barrière. Ah, c'est chiant le mode vétéran. Genre, les mecs, c'est des super soldats, quoi. Ça me fait bien rire. Et encore, si les... Si les alliés servaient à quelque chose, là ils servent à rien. Mais je t'ai touché avant, putain, mais... Mais c'est quoi ce jeu là, putain, mais... Putain, mais il est codé du cul ce jeu là, ma parole. Putain, le mec il se prend 40 balles bien avant qu'il me tire dessus, ce gros con là, et... Oh, lui il me touche tranquille. Bah ouais, bah écoute. N'importe quoi là. Mais quel escalier, t'as mais... Enfoiré. Merde, je voulais renvoyer la grenade mais elle a roulé un peu trop bas. Sur la route, à l'est. Au sud. Je les vois. Attention, sniper. Je pense pas que je vais le toucher, mais bon. Juste au cas où. Comme il est tombé. Éliminé. Bien joué. Ah mais c'était le sniper. On a enfin buté ce connard.
entrez par ici, Karim. Les autres doivent être à l'intérieur. Qui est le commandant Karim? C'est moi, Karim. On a reçu vos messages. Lieutenant John Price, où sont les autres? Là-dedans, droit devant. Restez à côté. Putain, ça fait bizarre de voir Price sans moustache et sans la barbe. La... On y va, les gars. La vache. Ça fait trop bizarre. Je voulais tuer l'autre. C'est lui qui a pris, quoi. Oh, j'aurais dû me baisser. Continuez. C'est l'usine de gaz. Il essaie de brûler l'épreuve. Et les prisonniers? On va ouvrir la porte. Reculez. On peut pas. On peut pas ouvrir la vitre. Go. Merde. C'est bon. On les sort de là. Je vais allumer le système d'arrosage. Je peux pas. C'est verrouillé. Force. Nadir. Nadir. Continue. Farah. Nadir. Ça va aller. Ils sont là. Oui. On l'a fait. Tu l'as fait. Soufflez bien. Rassemblez les gens et le matériel. On s'en va. Allez au nord. Évitez l'autoroute. Oh, ça y va pas du tout, rasé. Confirmez votre position. 10 minutes. Ok, restez dans le coin. Ah, ça fait trop bizarre. Dépêchez. Barkov va venir récupérer ses morts. Yalla, attends-nous. Oui, Farah. Vous savez qui va vous le faire payer. C'est eux qui vont payer. On sera prêts. Nos hommes ont nettoyé la route au nord. Vous pouvez y camper sans risque. Merci. La révolution commence, ma sœur. C'est la guerre qui commence, mon frère. Il y a guerre et guerre. Rappelez-vous. Bravo 6, décolle dans 2 minutes. Années de guerre civile. Ah, c'est cette mieux guerre là. N'a rien de civil. Adir s'est entraîné. Kidnappé ou non, c'est la même chose. Il a livré le gaz en Russie. Oui, mais avec l'aide d'Alcatala. Il a le réseau et la main d'œuvre. On peut pas lui en vouloir, si? Officieusement, non. Mais ça dépasse Adir maintenant. On a 2 options. Quoi, prévenir Moscou? Ou laisser la mère patrie prise à son propre piège. Beaucoup d'innocents vont mourir. Aux mains d'un agent occidental. Bon, ok. Allons à l'essentiel. Vous suggérez quoi? Un petit voyage d'affaires. Autorisé? Non. Avec qui? De vieux camarades. Et le sergent? Il est prêt. Je peux vous faire entrer, mais après, débrouillez-vous. Et aucune arme étrangère. Laissez-moi faire. Une vue magnifique, Nikolai. C'était la capitale avant Moscou. Le bon vieux temps. J'envoie 2 à la porte. 2 soldats à l'intérieur. Véhicule en approche. Surveillez-les. La chance. C'est dur de se garer ici. C'est le boucher en jaune. Le fumier de l'ambassade. Pas de gaz. Toi, ni d'Adir. Surveille la ruelle. Je peux la voir. Ça me tente. Non, attends un peu. Le boucher nous mènera à Adir. Où ils libéreront le gaz. Si jamais ça se produit, on est tous foutus. On s'équipe, en vitesse, le temps presse. Par ici. On a combien de temps? 1 heure maximum. T'as le matériel? C'est tout ce que j'ai pu faire en si peu de temps. Silencieux, munitions, mais pas de flash. Putain, bon, c'est Nikolai, ça? La vache. Ah, ça va être bizarre. Point de creuse, calibre 40. 150 grains. Tes préférés. T'as essayé de laisser pousser les cheveux, hein? Allons, sergent Garrick, servez-vous. Ne soyez pas timide. Bon, honnêtement, je vois un peu la différence. Ces armes n'attendent que vous, Kyle, allez. Une arme efficace. Mais cachez-la. On se voit à l'entrepôt.
Compris. Apporte le paquet. Je m'en occupe. Ah ouais, les autres, c'est avec réflexe et silencieux. Oh non, moi, je veux juste le suppresseur. Je veux pas de viseur sur les pistolets. Ah non, non, c'est péché, ça. On vous attend, Gary. Ah, c'est pour moi, la dernière part de pizza. Le capitaine Price n'aime pas attendre, sergent. Mais attends, il y a la dernière part, là. Eh, elle est pour moi. Allez, Kyle. Vite. Oh mon dieu. Putain, ça fait trop bizarre, là. Je sais que vous attendez une autre chance d'attraper le boucher. Aucune tombe n'est assez profonde pour cette pourriture, capitaine. Vous aurez ce que vous voulez, mais pour le moment, on a besoin de lui vivant. Privet. Privet. Dobro jutro. Pas mal. C'est tout ce que je sais dire. C'est déjà ça. Si, Grenada. Voilà. C'est tout. On va se débarrasser des gardes pour les empêcher d'alerter les autres, et on entrera par la porte de derrière. Bien sûr. Attendez mon signal pour tirer. Du calme, on a des permis. Montrez-lui, Kyle. Maintenant. Bon travail. Nicolai, on a des ordures dans la... Ah mais c'est un Desert Eagle, j'avais pas compris. Tu penses toujours à tout. Ah c'est pour ça que c'est vachement lent la cadence de tir. Enfin, je me disais, c'est bizarre quand même que... Ouais, je comprends mieux là. Je vous suis, sergent, allons-y. Ouais, je comprends maintenant pourquoi, ouais. Bah du coup. La porte, Kyle, ouais. Faites-nous entrer. Ouais, je vais garder le suppresseur, tant pis. Attention, vous tirez. Le boucher nous conduira à Adir. Il doit rester en vie jusque là. C'est à leur tour de connaître la souffrance. Remercions tout particulièrement notre nouveau soldat. Leur nouveau soldat. À dire un puits de fer. Le voilà. Affirmatif. Bien. En jaune derrière la table. Si le loup est vivant, hein, il sera fier de vous. Merde, je fais de la merde. S'enfuit, rattrapez-le. Le boucher s'enfuit. Perdu la cible. Je répète, on ah merde. C'est dégagé. Ce sont des représailles. Aujourd'hui, c'est à leur tour de connaître la souffrance. Remercions voilà. Tout affirmatif. Notre en jaune derrière la table, leur nouveau soldat. À dire faire est notre providence. Je le tue. À vous jouer, le loup et tirez pas sur le boucher. Sera fier de vous. Autrement. Nous transmettrons sa vérité à ces chiens qui se croient à télé, Kyle. Le boucher s'enfuit. C'est dégagé. Ennemi abattu. Poursuivez-le. Empêchez-les de me suivre. Tuez-les. D'accord. Derrière le bar. Ne laissez pas s'échapper. Oh mais il est bien beau lui. Et comment il veut que je le rattrape là? C'est bourré de mecs là. Non mais il est un peu con lui ou quoi là? Poursuivez-le. Empêchez-les de me suivre. Tuez-les. La porte derrière le bar. Putain, y a Uzi là. Attrapez-le! Je l'ai eu! La porte qui donne sur la rue est ouverte! Le boucher, c'est filé! Des civils, attention, vous tirez! Putain de merde! Oh putain, encore des civils, encore! Charlotte,
Nikolai, la cible se dirige vers le nord. Tiens-toi prêt pour l'extraction. Ok, je vous suis de prêt. Comment ? J'ai cru que c'était un lance-grenade. Écoute-le, bien sûr. Reste avec nous. Terminé. Vite, Tariq, on doit pas le perdre. Restez sur lui, je vais faire le tour pour l'intercepter. Merde, c'est un civil, ça. C'est un civil. Capitaine, la cible est en mouvement, du côté de la rivière. Poursuivez-le, on va le perdre. Je sais pas si j'aurais pu désarmer la bombe. À mon avis, je pense pas. Véhicule côté gauche. Merde, disons un lance-roquette, abattez-le. Ah merde, c'est un civil ça. En même temps, ils ont qu'à se baisser aussi là. Ils montrent leur tête là, ils sont un peu cons aussi, hein. Contact, véhicule côté gauche. Merde, ils ont un lance-roquette, abattez-le. Lance-roquette abattu. Attends, y'en a un autre là. C'est bon. Le ouais, boucher s'est décampé. Je laisse faire Price. Je pense que c'est le mieux. S'enfuit, suivez-le. Oh merde. Allez, cours, 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 parce que là, c'est pas la peine. Accélère. Dans les couilles. D'accord, ça le tue même pas. Non mais le mec là, il est sous stéroïde ou quoi là? C'est quoi ces conneries? Là, derrière la barrière. Nick, il a coupé par le café sur la rive sud. T'es où? J'arrive, capitaine. Poursuivez-le, on va le perdre. Mais il me reste pas beaucoup de balles. Attention, voilà des renforts. D'où est-ce qu'ils sortent là? S'enfuir, rattrapez-le. Un molotov, attention. Il va nous semer. Putain, mais lui, il commence à me gonfler, à me dire, ouais, il faut pas traîner. Mais, ah non, il y a 40 mecs à tuer. Je suis pas Goku, là. J'ai pas acquis le ultra instinct. Hein. Je peux pas passer entre les balles, hein. Pas Matrix, là. D'accord, le mec, il se prend des balles de... C'est quoi du 5 on doit pas le perdre. Du 5.56 dans la gueule, il bronche pas le mec. Merde. 3 mois. Ne perdez pas. Il se dirige vers la rivière. N'approchez pas. Oh oh oh. Il a réussi à venir. C'est dur de courir. Ah mais c'est Nikolai. Non, putain, c'est juste, comme il a foncé dessus. Dans la ah, j'aurais pas aimé. Hein. Pour que mes hommes puissent envoyer vos têtes à vos familles. Ta gueule, pourriture. Ouais, ta gueule. Léger problème. Quoi? Le moteur est un peu rouge. C'est Noël. Aïe, 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 j'aurais dû me baisser. J'aurais dû me baisser. Tariq, on doit pas le perdre. Oh non. Un molotov, attention. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont sérieux? Vous avez tué le boucher. Tariq, on doit pas le perdre. Ah putain. Un molotov, attention. C'est énorme. Il va nous semer. On verra pas ça. Oh là 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 là. Pourquoi ils m'ont foutu un point de contrôle aussi loin là? Tariq, on doit pas le perdre. Putain, c'est une casse-couille. Un molotov, attention. Il va nous semer. Crois-moi, ne perdez pas. Dirigez-vous
rejoins la rivière. N'approchez pas. Il a réussi à venir. Ouais. C'est dur de courir avec une commotion, hein. Non, ouais, c'est clair. Vous êtes qui? Pour que mes hommes puissent envoyer vos têtes à vos familles. Ta gueule, pourriture. Léger problème. Quoi? Le moteur est un peu... orange. Oui, mais t'es marrant, toi. Faut que je me régénère d'abord. Alors. D'accord. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cette mission de merde? T'as aimé le truc qui te demande des réflexes de machine, quoi. Si, si. Bon, moi, on aura pas trop tapé la scène dans le restaurant. C'est déjà ça. C'est juste une égratignure. Faites la dans la camionnette. Vous êtes qui? Pour que mes hommes puissent envoyer vos têtes à vos familles. Ta gueule, pourriture. Léger problème. Quoi? Le moteur est un peu... orange. D'accord, le mec... Je vais tirer dessus. Ah. Allez, mais remets-toi là. C'est parti. Putain, c'était juste. Chimique. Dans ton putain de cul, connard. C'est pas comme ça que tu vas me faire parler, ordure. Allez, capitaine, tu peux faire mieux que ça. Tu crois que j'ai oublié ton visage, SAS? Hein? Et toi, sergent? Hé, hey, reprenez-vous. On doit faire parler ce fumier, capitaine. Ça va venir. Nicolas, où est le paquet? Je me gare, capitaine. Allez trouver Nikolai. Récupérez le paquet et apportez-le-moi. Compris? Sergent Garrick, le paquet est à l'arrière. Qu'est-ce que c'est? Un sérum de vérité. Relâchez-nous par pitié. Une monnaie d'échange. Ça vaut rien. Pour les négociations. De quoi peut-être convaincre le boucher? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Tout va bien, mon chéri. T'as pas à t'inquiéter. Hein? On va s'en sortir. Hein? Je pensais même pas que le terroriste avait une famille, quoi. Faites pas de mal à mon fils. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Pas, mon chéri. Tu es un grand garçon courageux. Où est-ce que vous nous emmenez? Normalement, ça aurait pas partir en couille. On va parler à des gens, et après, on rentrera à la maison, d'accord? Ce que vous faites est impardonnable. Nous sommes innocents. Je ne sais rien. J'exige de savoir ce qu'on fait ici. Kyle, vous n'êtes pas obligé. Je compte sur vous. Bien sûr, chef. Bien sûr. Bien. Laissez-les à Igor. Non! Non, 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 pitié! Où ça? Amon? Papa! Ah ben, espèce de salaud! Vous n'aimiez pas les règles? Voilà. Non, on va pas les tuer, quand même. Ton fils est là, ton enfant! Oh, il peut très bien frapper un enfant, pas vrai, sergent? Ouais. La ferme! T'avais promis de pas nous mêler à tout ça! Capitaine, je dois sortir.
Disposez. Prenez l'arme, sergent. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Personne ne vous fera quoi que ce soit, mes amours. Sergent, si tu touches à ma famille, je ferai brûler ton cadavre. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Sergent, l'arme. Hé, non, non, non! Pitié! Pitié, on n'a rien à stop, voir dans... Stop! Ils savent rien de ce qui se passe, ok? Stop! Pitié, réagis pour ton fils! Dis-leur tout! Dis-leur! Bordel! Vous avez tiré, sergent, pas moi! Mais je te rassure, je laisserai pas le sergent brandir une arme chargée à l'intérieur, sauf s'il n'a pas le choix. Alors, dernière chance, où est le gaz? Je t'emmerde. Chargez l'arme, sergent. Bon. Non, 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 mais non, non, pitié, pitié, ouais, non. Non, je mens pas, je le jure, je mens pas. Le gaz est là-haut, derrière Karatka, il faut me croire. Où est Adir? Le nouveau? Il est trop tard pour l'arrêter. Va, sergent. Va sauver ces putains de Russes. Le général Barkov sera déjà mort. Adir, il va tuer Barkov. J'en sais assez, reprenez-vous et on s'en va. La Russie fera la guerre à l'Occident. Et nous retrouverons la paix. Va, sergent. Le gaz est au théâtre Kirov. Trouve-le et préviens-moi, t'as l'habitude. Compris. Prends la voiture, comme ça tu pourras quitter la ville. Adir se trouve chez Barkov, il va le tuer. Et déclencher une guerre. Non, pas si on arrive à temps. Garrick, dans la voiture, couvrez-nous. Bien sûr. Один, входим. Стою, не двигаться! Это колар! Деташи мой! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Насчет их химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй. Hey. Я контроль. Порно? Qu'est-ce que ça change? C'est barré. On fait quoi? On fonce dans le tas. Et s'il bouge pas? Alors ce sera un sacré merdier. Trois secondes. Y a le temps. Putain de merde, capitaine. Nikolai nous a sauvés. Et s'ils nous suivent? Improbable. Chef, qu'est-ce qu'on fout là? On fait du nettoyage. Avec des femmes et des enfants? On n'avait pas le choix. C'était des otages. Quand on retire les gants, on a du sang sur les mains, Kyle. Ça marche comme ça. Alors elle est où la limite, chef? La limite est où on veut qu'elle soit, sergent. Au final, il faut bien que les ennemis aient peur de quelque chose. On se salit, et le monde reste propre. C'est ça, la mission. Maintenant, si ça vous dérange, je peux très bien me débrouiller seul. Non, chef. Ça me dérange pas. Bien. Trouvons Adir avant qu'il tue Barkov. Ah, on est en Moldavie. Une patrouille d'Al-Qatala. Adir n'est pas seul. Il cherche toujours. Alors c'est pas trop tard. Trouvons Adir. Avant qu'il lance une guerre mondiale dans le sous-sol de Barkov. Suivez-moi. La Moldavie, c'est nul à chier. C'est calme. C'est qu'Adir a déjà pris le contrôle. Barkov est peut-être pas là.
Dites-vous que si. Et sinon, il viendra. Ça doit grouiller de soldats d'Alcatala. L'obscurité sera notre meilleur atout. Alors restez cachés et n'attaquez qu'en cas de nécessité. C'est comme ça qu'on s'en tirera vivant. Des coups de feu, on y va. On va entrer par le portail. Ça rappelle la mission dans le premier Modern Warfare, là, quand on est quand on est dans la peau de Price. Là. L'obscurité nous servira de couverture. Dans sa jeunesse, là, avec son mentor, là, comment il s'appelle déjà. Je sais plus, là, quand on est à Tchernobyl. Là. Moi j'en vois. Restez 4. Dans l'obscurité. Ah d'accord. Restez discret. Je crois que c'était une jauge de bruit moi ce truc. En fait non, là, c'est une jauge de lumière, d'accord. Restez dans l'ombre pour ne pas vous faire voir. C'est parti. Notre sortie est bloquée. Éteignez la lumière, ça devrait les distraire. Attendez qu'ils partent. ما شفت اثر للعدو بس في شيء غلط وصلت لزوطه ثاني سي بون اون افونس ولا برومونتوار pour l'instant je vais éviter de prendre une autre arme parce que là les autres sont pas silencieuses. Ah ouais, ça a l'air calme. Quand même. On a du monde dans le clocher, l'église, la piscine. Descendez. Je vais monter la garde. C'est le clocher, l'église, elle est là-bas, ok. Et la piscine. Ok. Ils sont beaucoup plus nombreux. Vous feriez mieux de filer si ça chauffe. Alors, on va commencer par la piscine. C'est le plus près. La piscine est au sud. Bon, il y a un chien. J'ai éteint la lumière. Chercher une boîte à fusibles. On aura l'avantage si on éteint la lumière. On dirait qu'ils tiennent quelqu'un. Vérifiez si Adir est là. Il a peut-être capturé Barkov. Dis-moi où il est. Adir est peut-être vers la piscine. Allez voir. C'est qu'il y a une boîte à fusibles ici.
Je sais pas. Pourquoi je ne peux pas. Je vois rien. Ray, souffle la tête. Attention. Ah, come on. Je vois absolument rien. Ils sont toujours dans le noir. Ok. C'est bon à savoir. Bon, on peut ouvrir comme ça, ok. Je vois un ennemi sur votre gauche. Aucune trace d'Adir. Mais ils ont un prisonnier. Voyez si le prisonnier c'est quelque chose qui pourrait nous mener à Barkov. C'est joli, à cela je pensais pas que. Heureusement qu'il était là, Price, parce que là. J'étais bon pour me faire opérer. Hein. Par où je pourrais descendre? Il y avait un carré tout à l'heure là. Je sais plus où. Je vais me faire mal là si je tombe. Oh tant pis, je vais passer par le. Par le rez-de-chaussée. Je vous vois plus. Vous êtes seul pour le moment. Vérifiez si le prisonnier peut encore parler. Ah, oh, une douche en point. On prend se shampooiner. Ah non, on peut pas. Dommage. Je crois qu'il reste plus personne là, à part le civil. Pourquoi? Mais il y a de la lumière quand même. Je sais pas. Pourquoi je ne peux pas. Oh, c'est quoi ça? Ça c'est pour Bibi ça. Une AK-47 avec un suppresseur et un chargeur tambour. Ouh. Là ça va chier des bulles. Je vous ai envie. Bon là qui parle, il commence à être un peu casse-couille là. Papa. Papa. Oh putain, il est carrément en train de délirer là. À l'église et au clocher. Allez voir si Adir est là. Attention, il y a un véhicule technique ennemi en patrouille. Restez à l'écart. Où c'est que j'ai posé le. Pourquoi il utilise pas le viseur Comme je suis bête, c'est parce que c'est en mode infrarouge. Bon. Alors, le clocher ou l'église? Bon, pas pour le clocher. Ouais, je vois ça, ouais, il y a une tourelle. Technique ennemie, ne l'attaquez pas. Inutile de me remercier. Ouais, enfin, j'allais m'en occuper là. Qu'il se trame quelque chose. Faites-vous discret pour éviter d'être repéré. Bon, le clocher, il est là. Clocher droit devant. J'aimerais bien m'occuper des mecs là sur la route, mais j'ai peur qu'après le véhicule. Il voit les cadavres donc. Oula.
خارجين من السجين ولا لسه؟ أبو سعيد أنت هنيك أخي؟ ليش لهلا ما خلصوا من التجربات؟ إن شاء الله ما يكونوا مقضينك خليل. Il se casse là le véhicule ou pas? Faut pas que je m'en occupe. Parce que là, si ça alerte les autres, je vais le laisser faire sa petite patrouille tranquille lui. J'espère que c'est pas une connerie ce que j'ai fait, enfin bon. Rendez-vous au clocher, essayez de trouver Adir. Ah oui, là par contre. Véhicule technique ennemi, derrière vous. Vous pouvez éteindre les lumières du bâtiment avec cette boîte à fusibles. Quelle boîte? Ah oui, justement, c'est ce que je cherchais, justement. Bon, on dirait qu'il n'a pas réagi quand il y a eu le cadavre. C'est marrant, ça. Allez, c'est parti. Il y en a un qui a dit qu'il allait vérifier les fusibles. Pas de visuel. Vous allez devoir vous débrouiller. J'ai encore quelques comptes à te casser. Où est la Je vois pas à dire, c'est un autre prisonnier. Vérifiez s'il peut toujours parler. Je sais pas s'il peut nous repérer à travers la vitre. Dans le doute, on va pas prendre de risques. Ah, j'aurais pas dû tirer à travers la vitre. Je sais pas s'il en reste d'autres, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire oui. Ça l'a dégagé. J'entends plus de bruit de pas.
Ouais, ça a l'air tranquille là. Toi aussi qu'il est prisonnier déjà. J'ai dû le dépasser. Merde. T'as elle est grande la maison quand même. Ah, je l'entends. Je ne trahirai pas ma famille. Il délire complètement. Les hommes de Barkov ont envahi le foyer d'Adir. Alors maintenant, ils s'en prennent aux leurs. Dépêchez-vous d'aller à l'église. S'ils ont un prisonnier, il fera pas long feu. Bon, je peux pas le libérer. Ça reste là, écoute. C'est sûr qu'on peut pas le libérer quand même. Faites-moi sortir d'ici. Marc, c'est pour qu'il foute la merde. Ouais. Vous en priez. Et puis tu continues à gueuler comme ça, c'est moi qui vais te tuer. C'était pas une bonne idée. Un petit détour si on peut. Ah mais on peut pas, merde. Comme l'autre il revient en battant qu'il passe et puis ce serait que moi je l'aurais tué déjà le mec sur la tourelle. Ah mais il a pris une nouvelle direction le véhicule, c'est marrant ça. Ouais, il est passé par là. Putain, on arrive à entendre jusque là, le mec. Putain, mais qu'est-ce qu'il braille? Attends, on va vérifier s'il est pas tout seul, déjà. Bon travail. Voilà, il est dans les fougères, donc là, on devrait pas le voir, là. Comment ça se fait que je suis ébloui comme ça là? Vous n'êtes pas loin de l'église. Ils renforcent la sécurité. D'autres patrouilles se dirigent vers vous depuis le bâtiment principal. Ennemi sur votre droite. Attention, il n'est pas seul. Ils envoient des renforts. Cinq ennemis viennent de sortir du bâtiment principal. J'ai rien vu là. Là, j'ai même pas compris ce qui s'est passé. Là. Pas si top que ça, ces lunettes. Hein. Le dernier groupe est dans l'église. Adir pourrait être avec eux.
J'attends que le véhicule y passe et je vais faire un tour. Sécurité. D'autres patrouilles se dirigent vers vous depuis le bâtiment principal. Un véhicule technique ennemi, derrière vous. Attendez, il est dans le champ de vision d'un autre ennemi. On va passer par là. Je vois un ennemi, côté droit. Dis-moi où il est ! Tu vas parler ! Vous pouvez éteindre les lumières du bâtiment avec cette boîte à fusibles. Ah, il y en a un qui est en train de se faire électrocuter là. Allez à l'église. Adira a peut-être un autre prisonnier. C'est parti. Je vous ai perdu de vue. Restez sur vos gardes, compris. C'est ce que tu veux ? Il suffit que tu... J'en ai aucune idée. C'est ce que tu veux ? Aucun signe d'Adir. Demandez à l'otage s'il a vendu Barkov. Il y a quelqu'un là. Bon, d'abord je m'occupe des trous du cul et après je m'occupe des prisonniers. Bon, il arrive ou... Quelqu'un ? Ouais. Bonjour. Oh merde ! Ah, j'avais pas vu qu'il avait un deuxième. Yes. Bon, je pense que là, il y a... Je sais pas. Deuxième étage, 4, 5, 1. Ils l'ont fait craquer. Il n'arrête pas de répéter, deuxième étage, 4, 5, 1. C'est notre seule piste. Rendez-vous au dernier étage du bâtiment principal. Je vous retrouverai là-bas. Deuxième étage, 4, 5, 1. Deuxième étage, 4, 5, 1. Deuxième étage, 4, 5, 1. Con, il y avait la lumière. On se regroupe au bâtiment principal. C'est bien connu, les arbres sont par balles, c'est bien connu. On peut passer par le portail ou pas ? On dirait que non. Putain ?
soigner le bâtiment principal. C'est qu'il y a des lampes de torches là. On se croirait dans un stade un soir de match. Foncez au deuxième étage. Je m'en occupe. Quelle boîte à fusibles ici? Je sais pas s'il y en a une. On va rester dehors. Ce dedans c'est éclairé donc là. Je sais pas s'il y a une boîte à fusibles ici. Hein. À mon avis. Qui c'est qui part? Bon, je vois rien d'ici. Je vais prendre de la hauteur. Comment il sait que je suis là, lui? C'est fort, ça. Comment il savait que j'étais là? Bonjour. Moi, on continue à faire le tour de la maison. On finira bien par trouver une boîte de fusibles, quand même. À moins qu'elle soit intérieure. Ah, si c'est à l'intérieur, ça va être autre chose. Je suis déjà venu ici, on dirait. Je me souviens pas être venu. Non, je m'en rappelle pas. Ah non, la salle, elle me dit rien. Ça ressort là? Ouais, ça mène à l'extérieur. Là aussi, ça ressort. J'ai entendu quelqu'un marcher. J'entends marcher, mais je vois personne. Ça doit être ça. C'est bon, je suis dedans.
Montez au deuxième étage, plus vite que ça. On peut fermer les portes ou pas? Non, on peut pas. Dommage. Allez au deuxième étage. Au deuxième étage, Kyle. Pas de temps à perdre. مرحبا عيد. حدا شاف شيء؟ حدا يخبرني؟ حدا شاف شيء؟ مونتي اوتو سي ميتاج لسه عم دور mec, il va se ramener là. Il est pas là, donc il est soit en bas, soit en haut. Ah, en bas. On s'en occupera après. Je monte au deuxième étage. Regardez avant de tirer. Je suis en haut. Ok. Essayez d'ouvrir la porte. Je vous couvre. Bon, on a pas fait tuer tout le monde. 4-5-1. Prenez les vivants. Allez-y! Espèce d'abruti! Où est Barkov? Il est pas ici! Sa famille était là! Est-ce que t'essaies de le protéger? Non, tu nous suis. Allez! Attends! Je suis pas ton ennemi! Je sais où il fabrique le gaz, j'ai les coordonnées. C'est l'usine chimique de Barkov, oui! Et je compte la détruire! On est toujours dans le même camp, Capitaine. Pas de cette façon! Alors aide-nous. Aide-nous, je t'en prie, aide ma sœur. Écoute! À terre! Les hommes de Barkov! Donnez une issue! Par les tunnels, au nord! T'es mon prisonnier, à dire pas de conneries! Hein? La porte est coincée! Kyle! La porte est bloquée! Oui? La porte. Continuez d'avancer! J'aurais pas dû faire ça, à dire! Barkov va vouloir se venger! On doit partir, vite! Braque ton arme sur les Russes et tout ira bien. Aide, Garrick, je te couvre. Vous avez votre compte, sergent. Debout, on fout le camp. Sergent, votre arme. Le tunnel est au nord, continuez. Les voilà! J'ai une cible du côté nord. Recharge!
ton projecteur. Par les bâtiments, go! Équipe de rempli! On a l'autorisation d'employer la porte. On n'hésitera pas à tirer. L'hélico est en train de vous cibler. La vache. Ah oui, quand même. D'accord. On va peut-être passer par là alors. Comme ça, hop, je trace direct dans le bâtiment. Bah justement, on peut... Il y a toujours moyen de buter le pilote, hein. Je pense pas que ce soit un blindé. Attention au projecteur. Là, je m'y attendais pas, là, la petite embuscade là, dans le bâtiment. J'avoue, je m'y attendais pas trop. Où qu'il faut aller? Ok, on va passer par le bâtiment alors. Ah oui, c'est le frère que le FAMAS il tire en rafale. Bah, je vois rien. Putain, mais les mecs ils me voient quoi. Non, mais ils leur ont greffé des yeux de chat, j'en sais rien, hein, mais c'est pas possible. Aïe. Ah, mais là c'était inévitable. Là, je serais sorti, je me serais fait zigouiller aussi. Là, j'étais piégé, là. Au premier étage. Du mon bord. Je t'ai tué avant, là. Non, mais c'est quoi ces conneries, là? Ça me fait rire, ça. Le mec il se fait tirer dessus avant. Le mec n'en a rien à battre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, je vois pas. Alors oui, non, il est là-bas. Ouais, t'es pas tout seul. Mais c'était bien ennemi, ça, non mais... Je tire, ça faisait rien, et là, ça le touche. Putain. Ouais, un AUG. Remarque l'AUG. Ouais, bon. Le tunnel est au nord, continuez! Oui, ça, j'ai compris que c'était au nord. Ils sortent à découvert! Dites-donc, je dois se couvrir! Tunnel en vue! Approche. C'est verrouillé.
Capitaine, il faut quelque chose pour l'ouvrir. Oui, on tire sur la chaîne. C'est ouvert, on y va. Il en approche. Oh putain. La vache. Ressaisissez-vous. Je sais ce que je dois faire, chef. Vous êtes là à attaquer le labo, hein. Jamais de la vie. Vous allez payer pour ça. Capitaine. C'est un aller sans retour à dire, tu le savais. Mais vous allez m'aider, vous ferez le nécessaire, hein. Chef, dites-moi qu'on va en finir. On a besoin de soutien, pourvu qu'on en ait. Avance. Capitaine, donne les plans à Farah, dis-lui la vérité. Vous pourrez la dire vous-même au monde entier. J'en ai rien à foutre du monde. Je l'ai fait que pour ma sœur. Pivot à 06. Transport allié en approche par le sud à 180. Identification Watcher 1. Reçu. C'est Laswell. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça me plaît pas trop. Ça sent pas bon. Ouais, elle était dans le coup. Gardez-les sur vous. Oui, chef. Il y a une taupe, je sais pas qui, mais il y a une taupe. C'est quoi ce merdier? C'est terminé. On va le livrer. À qui? Aux Russes. En échange de? Rien du tout. Il se passe quoi, chef? Bougez pas. Ne faites pas de scène, capitaine. Donnez-moi une bonne raison. Ça nous dépasse, John. C'est une guerre par procuration. Parlez pour vous. Allez, amenez-le. Oui, chef. Ça sent pas bon. Adirez à vous, les plans à moi. Quoi que vous ayez en tête, je peux vous aider. Je vous tiendrai au courant. Oh, peut-être pas remarque, peut-être pas elle la taupe. Je vous couvre, capitaine. Farah ! Faut qu'on parle ! Je connais la chanson, capitaine. Pas cette fois. Ils ont donné à dire aux Russes. Ils vont le tuer. S'il a de la chance. Une fois de plus, le monde libre est sauvé, capitaine Price. Adir a localisé le labo de Barkov. Il est en Géorgie. L'usine de gaz. Il avait l'intention de la détruire. Adir est complètement dingue. On est tous un peu dingues, je pense. Vous croyez pas, Alex? Affirmatif, chef. Avec ton aide, on peut finir ce qu'il a commencé. Tu es un bon ami, capitaine. Et un redoutable ennemi, j'en suis sûr. Mais je ne franchis pas les frontières, je n'envahis personne, je défends mon peuple, ici, chez nous. Mais parfois, la meilleure défense... Tout est là. Les plans, le personnel. Je vois. Une milice en lien avec l'Occident peut accomplir cette mission. Et ils blâmeraient les terroristes, n'est-ce pas? Heureusement que t'es là. Si Barkov est là, il est à moi. C'est une mission secrète pour détruire le labo de Barkov. Nikolai est à l'intérieur. Il fournira les explosifs. Deux équipes vont s'infiltrer. Garrick et moi poserons les charges sur le tuyau. Farah et Alex, Nikolai vous donnera un détonateur pour détruire la fournaise principale. Une fois les charges en place, éloignez-vous bien et faites tout sauter. Laswell fournit le soutien aérien, le reste dépend de nous. Troupe à découvert côté nord du pont, demande de frappe. Compris, Watcher, trois bombes à bon impact. Bien joué, Watcher, bien joué! Allons-y, on a leur attention! Allez, restez groupés! Périmètre ouvert, Kate, on peut y aller! À partir de maintenant, vous avez les commandes de frappe.
Faites en bon usage, Point. Compris. Merci bien, Kate. À vous de jouer, 3-1. Visez bien. Terminé. Roule sur les cadavres. Pas cool. Droit devant, regroupez-vous. Jaguar 4-7, ici Echo 3-1. Besoin d'une frappe, la cible est marquée. Echo, Jaguar est prêt à guérir. Merde. Toucher les micros, c'est quoi ces conneries là? Ah, mais attends, il y a un lance-roquette là. Voilà. Où c'est que ça tire? D'accord. Merde. On va peut-être pas trop gaspiller le sniper parce qu'on a pas beaucoup de balles. Merde. Baisse-toi, putain. Chaud patate, hein.
Ah ouais, il me reste Il me fout vachement quoi quand même. Mais merde, putain, mais ce con là, le temps qu'il bouge. Putain, il se remue pas lui. Enfoiré. Mais qui c'est qui m'a touché là? Il y avait rien. C'est quoi ces conneries là encore? D'accord, je me fais toucher par les trucs invisibles maintenant. Il y a manié Suzy, hein. Mais c'est bon là, vous allez y arriver là, 3 sur 1 là ou... Putain, non mais c'est n'importe quoi là. Allez, les ennemis sont pétés des fois, mais alors les alliés par contre, ils sont cons comme des tables. C'est qu'il est... Merde, putain! T'as bougé votre cul un peu là! Putain, c'est à moi de tout faire là, en fait! Putain, y'a marqué boniche sur mon front en fait! Merde, c'est pas un ennemi ça! J'ai cru que c'était un ennemi! Ah là, j'ai une bonne vue là! Ah mais putain, je sens qu'ils vont pas me couvrir ces cons là. Je vais me faire tuer parce que ces gros cons ils me couvrent pas là. Ah mais ça l'ennemi lui aussi là. Ah mais putain, mais limite je prends une deux balles, ça y est là. Monsieur il en peut plus là. Alors que les ennemis ils prennent 40 000 balles dans la tronche. Il meurt pas. Ça, ça va peut-être aller là maintenant. Putain. J'en étais sûr qu'il y en a qui a essayé de m'avoir. Ah non, c'est que lui. Mais qui c'est qui me tire dessus là? Putain, mais hé, il me couvre ou Enfoiré! Putain, est-ce le même contrôle, point de contrôle de merde là? Putain, mais bougez votre cul là au lieu de me suivre là! Putain! Putain, pire que des chiens quoi! Hein. En train de me coller au cul là, putain, pas casse-couille! Hein. Je vois rien, je vois absolument rien. Putain.
Il y a un surprise là. Mais c'est quoi ces passages de merde là? Ça y est, j'en ai marre. Ça commence à monter là. Putain, mais tu peux escalader là, espèce de teubé là, putain. Regarde les autres qui me suivent comme un chien. Quoi. Oh non, mais c'est terrible ça. Pire que des chiens. Évidemment, on peut pas passer par autre part, évidemment. Hein. Évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Putain, comme si c'était déjà pas assez chiant comme ça, là, la mission, là. Putain. Putain. Oh là là, mais c'est de la merde ce sniper. Hein. C'est de la grosse merde. C'est beaucoup trop lent. Hein. Je t'ai touché, mais c'est pas grave. Hein, écoute, écoute. C'est bon, je t'ai assez touché, connard. Hein. J'espère pour eux qu'ils ont pas fait un niveau où tu passes les ennemis, ils arrivent à l'infini, hein, parce que là, ça va pas le faire. Ah, j'ai pas la tête à me dire par où je vais passer, là, sinon les mecs, ils arrivent à l'infini. Non, non, non. Ah, j'ai pas la tête à ça, là. J'ai pas envie de me casser les couilles. T'enfoiré, putain. Putain, je te déteste, mec, je te déteste, mais t'imagines même pas à quel point. Putain. Oh, oh, ils m'ont refoutu le même truc. Les enfoirés. Putain, non, mais c'est pas possible. Putain, mais quelle bande de branleurs chez Activision, hein. Putain, et limite il y avait des points de contrôle, je sais plus à quel niveau, toutes les deux secondes. Et là, non. Là, non, tu te démerdes. Tu te démerdes. Non mais putain, mais c'est quoi cette merde? Putain, mais allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. Putain, gros doigt Activision là. Allez, vas-y, on fonce dans le tas comme un gros taré. On va se lever avec Chuck Norris. Chuck Norris Power. On a réussi à passer. Je sais pas par quel miracle, mais on a réussi à passer. Dessus là, je vois rien. Merde, c'est Price. Ça c'est pas Price. Ça c'est pas lui. Bon, il n'y en a plus en bas là. On peut s'occuper que ceux qui sont en haut. Bon, tant mieux.
J'en avais marre. Oula. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà. Bon, déjà, il n'y a plus personne dans la tourelle. Quels arbres ? Il y a partout des arbres. Conçu, hein. Respirer un peu. Attendez, je reviens, je vais aller. Je vais au petit point. Ok. Allez, on continue. Avec un peu de chance, on l'aura fini aujourd'hui. Marque avec lance-grenade. Voilà, que d'hélico. Ça tire là. Ils sont sur le toit. Allez, on se bouge. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était en bas. Allez, on y va. Ouh. Recharge.
allez, allez. D'accord. Il y en a un près des conteneurs. Je les vois. Les conteneurs. Vous savez qu'il y a des conteneurs ici. Je lance un cocktail molotov. Allez, on avance. Lancé. La voie est libre. Ça devait être lui. Équipe Echo, c'est votre point de départ. Rejoignez Nikolai pour les charges. Mettez vos masques. Barkov pourrait se servir du gaz. Regardez. Les employés sont morts. Allez, au boulot. On y arrivera. Bon, là, faudrait tous les tuer, là. Même les civils. Attends, ils participent. Pas qu'un labo avait besoin d'autant d'armes. On va tout enterrer. S'ils produisent du gaz mortel. Dispersez-vous! Hop, 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 hop. Non, je vais garder son sniper en tout cas. Oh, ça pue là. Attention. On peut pas péter le. Attends, on peut même pas péter les lampes. Tiens, cadeau. Merde. Ok. Je me dis que j'aurais dû changer d'arme. Je sais pas si je peux toujours. On va prendre ça. Ah merde, non. Non, ça va pas. Je crois que ça avait bougé. Et je commence à manquer de balles là. Marc, on va garder le. Tant qu'on peut utiliser les grenades en carte. Premier étage. À l'intérieur. Aïe 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 aïe. Putain, il attaque de partout. Hein. Putain, ce bordel! Oh la vache! Pouvoir chargé! Il faut me couvrir! Larsen, moitié des ombres, Larsen! Oui, là! Monte au premier étage. Oh.
Ouais. Il me reste plus de balles là. Bon, ok, on change d'arme. Allez, on va passer à l'origine 12. Je connais pas ce flingue encore. Ouf. Je passe au deuxième étage. Je vois pas d'autres ennemis. Venez, on sort. Le fourgon, allez. Ah, Nikolai. Farah. Nikolai. Dépêchez-vous, prenez vos charges. Le détonateur lancera une réaction en chaîne. La fournaise saute, le reste suivra. C'est ça. Ne le perds pas. Pourquoi nous aider ? Barkov déshonore mon pays. C'est inacceptable. Спасибо, Nikolai. Et je vais apporter le reste à Price et au sergent Garrick. On se retrouve tout à l'heure. Allez, d'accord, je te fous de coups de mêlée, mais tout va bien. Ça fait rien du tout, c'est pas grave. Oh là là, merde quoi. T'as mis une cour ou quoi là? Il est mort de peur. Faut qu'on aille à la fournaise. Allez, allez. Oui, d'accord. Ils sont exposés.
Putain, mais toujours recherché au bon moment ce blaireau là. Faire le plein, je crois qu'il y en a d'autres à ramasser, je sais pas où là. Dans la pièce du fond, par ici. C'est vrai qu'il n'y en a plus. Bon, ben on se contentera de ça, écoute. Ouh là 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 là. Ah merde. GG. Ah mais c'est bon. Faut pas me dire que le mec il est aussi rapide que moi avec tout le barda qui se trimballe. Non mais c'est quoi ces conneries hein. Ouais, je vais lui prendre son petit ouais, PKM là. Ouais. Un problème. Oh, c'est du tout d'honneur, il déconne. Echo, ici Leader, vous me recevez? Je vous écoute, Leader. On a repéré le général Barkov, il se dirige vers l'héliport. Echo s'approche de la fournaise, Leader. Posez vos charges et amenez-vous. Bien sûr, terminé. Tu l'as entendu, dépêchons-nous d'en finir ici. Je m'en occupe. Dégagez! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est défoncé. Il est foutu. Je vais y aller. Et faire quoi? Enflammer la fournaise. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Je sais ce que je fais. Farah, écoute-moi bien. C'est toi qui m'écoutes. À cause de ce poison, mon peuple subit des choses pires que la guerre. Je vais certainement pas faire demi-tour maintenant. Je te demande pas de faire demi-tour. Je te demande de me donner un ordre. Je peux pas faire ça. Commandant, allez. Je ne suis pas ton supérieur. Alors qui? Quelqu'un va devoir allumer ce feu et va devoir aussi tuer Barkov. Tu ne peux pas tout faire. J'ai obéi aux ordres toute ma vie, Farah. Mais celui-là, j'y crois vraiment. Alors donne-le-moi. Tu te bats pour la liberté, Alex.
Tu es une leader, Farah. Donne-moi l'ordre. Va. Bien, madame. Bravo, Echo est à la fournaise. Par rapport au général. Compris, Echo. On joint la canalisation. C'est bon, sergent. Fini les règles, hein, capitaine. Plus aucune. Commencez par ce sniper. J'ai une autre cible au sud-ouest. Lance-roquette à gauche. Ah, mais il est mort. D'accord, je tire sur le sniper, lui il me fait, lui il me touche, moi je le touche pas. C'est quoi cette logique de merde? J'ai une autre cible au sud-ouest. Putain, c'est un sniper qu'il me faut pas, un grenade. Hein. Merde, son lance-grenade là. Il est derrière ce pilier. Contact. Ok. Putain. J'ai une autre cible au sud-ouest. Lance-roquette à gauche. Ouvrez-moi! Des soldats, ils se rapprochent! Je les vois! Maintenant, on se pose! Ils sont à découvert. Tirez. Réduit de chargement. Attention. Pas monter comme ça. Putain.
Ah putain. Mais si c'est moi qui me les tape tous aussi, hein. Les charges sont en place. Putain de merde, Barkov met les voiles. Para, Nikolai, vous êtes où? Mettez-moi en liaison avec Moscou tout de suite. Je me fous de leur killer, faites-le. Je répète, Barkov a décollé. Dites-leur que c'est le général Barkov. Para. Hors de question que attendez, je me fasse ignorer. Je l'ai invisible. Mettez-moi en liaison avec Moscou tout de suite. Je me fous. Quoi? Karim. Je me fasse ignorer. Je l'ai invisible. Mettez-moi en liaison avec Moscou tout de suite. Je me fous de leur killer, faites-le. Dites-leur que c'est le général Barkov. Hors de question que je me fasse ignorer. Toi. Je te l'ai dit, Farah, il y a très longtemps. Je ne vois qu'un seul terroriste. Attends. Et il est mort. Para, qu'est-ce qui se passe? Capitaine, Barkov est mort. Bien reçu. Alex, les charges sont en place? Affirmatif. Alex. La fournaise est encerclée, je m'en sortirai pas. Alors allons-y! Merci. Avec plaisir. C'est bon, capitaine. Compris. À toutes les unités, à mon signal. 3, 2, 1. Mon garage est nouvelle. La cible est détruite. Au travail. Rendez-vous au point d'extraction. Karim! La mère patrie approuverait. Où on va? L'Urzikstan. On rentre.
Un thé ? Ouais, la bonne bière la plus proche et pas à côté. La Russie renie Barkov. C'est pas comme s'ils avaient eu le choix. Il est mort. Vous avez fait beaucoup pour ce problème, John. Pour l'instant. Mais sans surveillance. Ce sera pas le cas. Le général Shepard a retiré les fichiers demandés. C'est pourquoi exactement ? Une force d'élite. On a déjà des ennuis. J'y mettrai un terme. Je finance des agents, pas des hors-la-loi. Profitez bien de votre thé. Zakaev veut le trône de Barkov. J'ai failli l'enterrer à Pripyat, avec Macmillan. Ça, c'était le père. Là, c'est son fils, Victor. Chouette de famille. Des grands fans d'Adir. Ah ben, ça explique pourquoi il est toujours en vie. Ils vont le faire sortir. Alors donnez-moi carte blanche. Vous emmenez qui ? Le sergent Garrick. Kyle ? Il l'appelle Gaz. Il n'a jamais rien dit. John McTavish, SAS, sniper, démolition, surnommé Soap. Pourquoi ? C'est top secret. Le voilà. Simon Riley. Il n'y a pas de photo. Jamais. Pour le reste... On va faire un marché. Sinon, je vous dis rien. Quel nom de code vous voulez ? 1, 4, 1... C'est comme ça qu'est née la 141e, d'accord. Eh ben. Donc ça, ça se passe avant tous les Modern Warfare, techniquement. Bon, ben voilà, ça c'est fait. On a fini Call of en vétéran. Delta, comment ça va? T'arrives juste à la fin, quoi. L'évacuation est en cours. Al-Qatala a pris le contrôle de la ville. C'était tranquille avant. Plus maintenant. L'Est et l'Ouest ont rebâti Verdansk après la guerre froide. Cette coopération ne leur a pas plu. Ils ont des blindés et des armes lourdes. Des terroristes avec des chars. Qui commande ? Une nouvelle tête. Sympa. Son nom ? On ne sait pas, mais il a des amis haut placés. Ça vient des Russes. Ah, la sable, moi. Où est-ce qu'on a vu ça ? Mon homologue à Moscou. La CIA travaille avec le FSB. C'est pas la première fois. Kamarov. Un Kamarov. Capitaine Price. Nikolai. T'as pas su te tenir ? Venant de toi, c'est un compliment. Écoutez, on est tous amis ici. Je te devais bien ça. Pour Beyrouth. Le sergent Kamarov va aider à conduire l'opération.
Avec ses armes, Alcatala va pouvoir passer du terrorisme à la guerre totale. C'est un problème pour nous tous. On lance une force multilatérale pour traquer le nouveau chef d'Alcatala et prévenir cette menace tant qu'on le peut. On vient. Dites-nous ce qu'il vous faut, et on s'y met. Ouais, ça va être... je crois que c'est Alcatala. Alcatala. Qu'est-ce que je raconte? Merde. Al-Assad. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le Mon âme d'enfer, celui qui fait coup d'état, là. L'histoire se poursuit dans les opérations spéciales. C'est quoi le mode coop? Mais ça va, Delta. Moi, je suis bien content d'avoir fini quand même, parce que... ça devenait un peu chaud quand même à la fin là. Surtout quand c'est toi tout seul contre toute une armée. Les coéquipiers qui servent à rien. Bon voilà, ça fait un jeu de plus à de terminer. Je sais pas ce qu'on fera comme prochain jeu de tir. J'ai déjà ma petite idée, mais... Ça faisait longtemps que je voulais faire celui-là, Call of, donc... je suis content de l'avoir fini. Mais je pensais pas que, vraiment que... Vu que ça se passe en 2019, je pensais pas que c'était le prologue, en fait. De la saga Modern Warfare. Enfin bon. Bon, on va s'arrêter là, hein. Il y a 3h30, hein. Finalement, en deux streams, on l'a fini quand même. En même temps, les Call of, ils sont pas réputés pour être très longs. Hein. Ça, c'est clair qu'ils sont réputés pour être très rapides. Là, j'ai même pas envie de faire un Warzone, là, je sais que je vais me faire buter, alors c'est même pas la peine. J'ai même pas envie. Bon. Eh ben, moi, je vous dis... bonne fin de journée, parce que là je stream pas ce soir. On continuera demain après-midi. S'il fait beau, je continue Oblivion. Parce que j'ai pas envie d'utiliser la lampe de chevet pour m'éclairer la webcam. J'ai pas trop envie. J'ai pas envie de m'aveugler non plus les rétines. Mon usine à dinosaure non, pas spécialement. Quand tu verras lundi. Parce que je vais continuer un peu lundi. Je vais en faire un peu. De arc. Non, j'ai pas si avancé que ça en fait. J'y ai pas trop touché. Le seul moment où j'avais vraiment touché la partie, c'est quand tu sais, je t'avais dit pour le raccordement. Le raccordement en eau. Après c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Je suis pas parti, j'ai pas été exploré. Je m'étais vraiment focalisé sur. Le système de plomberie. Moi, j'ai aussi fini le... juste à côté de la serre, là, j'avais aménagé une petite partie poulailler, entre guillemets, enfin volière pour les dodos. Il est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à amener les dodos, mais c'est tout. Hein. Non, j'ai pas fait grand-chose. De toute façon, j'y rejouerai lundi, j'ai envie d'y rejouer. Là. Je disais que ça allait faire une pause. Ouais, la pause n'aura pas duré longtemps. Hein. Ouais. Pareil pour Seven Days to Die là. J'avais dit que je voulais pas y rejouer, mais j'y ai rejoué un petit peu là. Mais ça va, hein. Là je me démerde maintenant. Je me débrouille. Il y a juste le 7e jour, je me suis fait latter. Méchamment. Je m'étais abrité. J'avais trouvé une cabane et tout, je l'ai renforcé en bois. Le bois était vachement bien renforcé et tout, j'avais foutu des pics tout autour, bon, ils m'ont tout défoncé. Le truc c'est que je m'étais abrité à l'étage,
et j'avais fait un accès par échelle. Et le truc, c'est que les zombies, ils montent à l'échelle. J'ai pas vu venir celui-là. Ah, j'avoue que je me suis fait avoir. Ce que j'aurais dû faire, mais après je l'ai fait quand je suis mort. C'est quand je suis réapparu, j'ai monté à l'échelle et j'ai pété la dernière partie d'échelle, comme ça au moins j'étais sûr que les zombies ils pouvaient pas venir. Et après j'ai attendu le lendemain et je les ai tous zigouillés un à un, puis voilà. Mais c'est beaucoup de farming, Seven Days to Die. Bah, un peu comme Ark en fait, hein. Tu farmes beaucoup. Ma grosse erreur, ça aurait été d'explorer les maisons une à une, alors qu'en fait j'aurais mieux fait d'abord de trouver un bel abri, le renforcer et tout, et après pouvoir faire mon petit stock de bouffe et d'eau quoi. Mais bon, là ça va maintenant. Je te parle pas de Valheim. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah, j'attends qu'il sorte sur PS4 celui-là. Ah, il a l'air pas mal. Bon, après, à moins de 10€, parce qu'il faut quand même pas déconner. Hein. Parce que c'est pas un gros jeu non plus. Hein. Mais bon. Ouais, mais ces jeux, ouais, faut y jouer à plusieurs. Ça, c'est clair que. Je pense que tout seul, moi, je me ferais chier. Déjà, Seven Days to Die, je m'emmerde. Ça, c'est clair que je m'emmerde. Ça, ouais, faut que je trouve un coéquipier avec qui jouer, mais. Merde, faut pas que des inconnus. Hein. Bon, ce soir, ça va être The Forest ce soir. Ah, ça va être quelque chose. Ah, je sais pas en quelle difficulté ils vont le jouer ce soir, mais ça va être drôle. Avec Nounours, Bubu, les héros. Là, je sais même pas s'il y a un des trois qui a déjà joué à The Forest. Je sais pas s'il y en a un des trois qui y est joué. Moi je l'ai fait en difficile tout seul. Bon, c'est faisable. C'est faisable. Faut bien maîtriser les headshots, après ça va tout seul. Ouais, c'est largement faisable. Après, là ils sont trois, donc là pour la construction, ça devrait aller. Tout seul, tu construis pas, c'est pas la peine. Ça sert à rien, en plus ça te fait perdre du temps. Une petite cabane dans l'arbre, ça suffit largement. Mais j'avais vu Atior, je sais plus quand c'était, qu'il avait streamé Atior. T'as vu, il s'était fait un beau chalet et tout, c'était magnifique ce qu'il avait fait. J'étais en train de me dire, mais attends, il a fait ça tout seul. En plus, c'était sur une petite île, alors il fallait tout amener par péniche sur des réserves. Et oh là là, mais... Ah, il a dû bien se faire chier. Ouais, clairement. Ah, mais au final, c'était joli. Alors là, chapeau. Ah, il est en train d'y jouer, là? Oh, bah, on va aller voir ça. Oh, on va aller faire un petit raid s'il est là. Le temps que j'aille sur l'ordi. Alors. Ah ouais, il est pas connecté, merde. Ah, dommage. Ah, mais il y joue encore. Hein. Putain, alors là... Ouais.
Putain, chapeau, hein. Parce que alors là, pour arriver à faire toute la construction qu'il a fait tout seul, j'aurais pas eu la patience. Remarquez, j'ai bien fait une petite structure dans l'arc quand même. Bon, c'est pas comparable. Bon. Allez, on va faire un petit raid, je sais pas qui. Alors, qui c'est qui est en ligne? Ah bah tiens, il n'y a pas de patate qui est en train de streamer Seven Days to Die. Allez, on va faire un petit raid chez lui. Alors... là faut que je regarde avant de faire un raid, faut que je regarde vite fait un truc parce que je sais pas si des votes ont été faits dernièrement. Là je regarde pas tous les jours pour les jeux parce que là je fais des sondages sur la page d'accueil pour savoir ce que les viewers voudraient voir en jeu. C'est juste un petit aperçu, hein. Là, je peux pas tout mettre, hein. C'est pas possible. Je mets des gens. Il y en a une douzaine à chaque fois de propositions. Du coup, pour le prochain jeu de tir, bah, je sais pas, on verra. Après, jeu narratif, là, j'en ai pas fait cette semaine, parce que de toute façon, jeu narratif, j'en ai pas tant que ça. Donc, comparé aux jeux de tir et aux RPG et compagnie. J'ai beaucoup plus de ces jeux là que de jeux narratifs. Ouais, on va faire un petit raid. Bon, et bien à demain. Moi je vous dis bonne fin de journée. Alors demain, je sais pas, s'il fait bon, on continuera Oblivion, sinon ben, on fera un autre jeu, hein, tant pis. Ça dépendra du temps. Parce que là, j'ai pas envie de remettre les loupiottes de la webcam, j'ai pas envie de m'aveugler. Non. Non, non, non. Allez. Des bisous à tous.